Et bonjour YouTube. Nous reprenons nos péripéties sur The Binding of Isaac, Repentance. Hier soir, nous avons fait une run plutôt sympathique avec Magdalene. Run couteau, surprenamment. Nous avons essayé d'enchaîner avec une run The Beast, hein, toujours avec Magdalene. Et finalement, j'ai dû jouer l'équivalent de 3 heures dans le vent. Et même à la fin, j'ai rage quit parce que ça m'a saoulé. Voilà, j'ai même encore la partie qui est en cours. J'étais face à Mom's Foot. J'avais pris Curse Eye en me disant bon, ben lol, MDR, c'est foutu. Et en fait, il y avait moyen de sauver la run. Mais finalement, ça s'est pas fait. Je pense qu'on va tenter Magdalene un peu. On va voir. Peut-être que je vais réussir à prendre ma revanche. Putain, on avait setup des trucs sympas. Hein. Mais bon, ça s'est pas fait. Magdalene qui se traîne le cul. Je me suis réveillé il y a... ouais, presque une heure. Je vois pas ce qui peut mal se passer. Ok, on reviendra après. Blind Tears. Mais ça en vrai, je sais pas ce que ça fait. Ah, je sais ce que ça fait. Ouais, c'était un peu dramatique la fin de soirée. En plus, il y a un moment donné, je crois qu'on avait une run qui était plutôt sympa et j'ai juste merdé. Momski à 15 balles. Momski à 15 balles et je l'aurai jamais, c'est sûr. Momski à 15 balles. Si je pouvais avoir Momski et ses deux coffres, ça serait merveilleux. Aïe aïe aïe. Bon bah c'est loose hein. Bon bah c'est loose hein. Ah oui, hier je suis tombé sur lui, je dis ouais, lui c'est ok, y'a pas de soucis, je me suis fait toucher instant. Hein. Allez, ça, ça dégage. Ok, bon, ça sent le rage quit. Hein. Enfin, peu reset. Alors, Blind Tears, j'ai pas l'impression que ça soit très utile, hein, bizarrement. Non, mais hier, ouais, vraiment, hier soir, la dernière run, elle a été horrible. Je pense qu'on pouvait pas faire pire en termes de random unlucky. Allez. Ouais, mais c'est chiant. Faut voir ce que ça me donne. Oh ouais. Ah, j'ai juste perdu un cœur par contre. Et j'ai perdu un peu de shot speed. Mais sinon j'ai gagné de tout. Ah mais Momski là. Ah, ça saoule. J'ai zéro bombe. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf, c'est que j'ai zéro bombe. Voilà. Bon, on va dire ça comme ça. Non, parce que j'ai pris des dégâts quand même. J'ai pris des stats. Putain, mais Momski. Bref. T'as deux coffres dorés, enfin, oh là là, ça dégoûte. Ça dégoûte. On y va. Je sais quand même faire ça. Et on a une sacrifice, ok. Je vois pas trop l'intérêt, étant donné que, en théorie, on va avoir notre Devil Deal.
n'est-ce pas? On a quand même perdu un cœur rouge, hein. Bon, en échange, on a eu pas mal de buffs, donc c'est ok. On a juste perdu de la shot speed. Bon, évidemment, si je tombe sur Cursed Eye, je vais pas le prendre, hein. Je sens que ça va pas être une run où on va faire de l'argent. Hein. Putain, on a eu aucune bombe. Bon, autant vous dire que un more options au shop, c'est impensable. Spectral Tears. Eh bien, ma foi, pourquoi pas. Hein. Ma foi, pourquoi pas. Hein. Bon, par contre, si je commence à avoir plus de clés, je vais peut-être aller dans le shop quand même au cas où si on n'a pas un grid. Ouais. Heureusement que j'ai gagné un peu de speed avec Magdalene. Sinon, ce serait fait toucher. C'est sûr. Mais non, mais voilà. Non, mais parce que juste j'ai été trigger 2 secondes à cause de ma couverture. Voilà. J'adore ma vie. Bon, on va aller dans le shop juste au cas où. Putain, mais aucune bombe! Foutez de ma gueule. En fait, je me dis que là, l'argent ne sert tellement à rien que j'ai envie de le mettre dans la machine. J'en suis à ce point-là. On va faire ça, d'ailleurs. On sait jamais. Hein. Un petit rush quit, là. Au moins, cette run aura servi à ça. Ah, mais aucune bombe, c'est terrible. Oh non, pas eux. Par contre, faut les toucher un jour, voilà. Surtout, voilà, surtout, enferme-toi bien comme il faut, là. Et on les sent, les 4,50 de dégâts. Ça s'apprécie, ça s'apprécie. Faudrait un peu de range et ce serait merveilleux. Et ça prend forme, hein. Petit bouquin de Bélial. Alors, j'ai envie de prendre Spectral Baby aussi. Mais bon, Boucan Bélial, ça c'est sûr déjà. Bon, là, je fais ça, mais c'est dramatique. Hein. Je suis dans la merde. Je suis tellement dans la merde. Non, mais vas-y. Hein. Jusqu'au bout. Allez, c'est bien la merde, bien comme il faut. Mais, ouais, Blind Tears là qui va peut-être me carry un tout petit peu. On a eu 2 seringues, donc encore une seringue, on a la transformation Spun. Je sais plus ce que ça fait, Spun. Alors ça c'est marrant aussi. Mais je vais peut-être devoir m'en débarrasser, parce que ça du coup... Ouais. En fait, ça me donne ce qui me manque. Finalement. Donc, c'est ok. C'était sûr. Une bombe. Magnifique. Malade. Multidimensional Baby qui est fort. Faut savoir jouer avec, mais c'est fort. Mon dieu. Mon dieu. Oh, c'est bon.
C'était bien de la merde, merci à tous. Pourquoi mes larmes sont rouges comme ça d'un coup? Oh là là, au secours. Non! Oh, mon dieu! Comment j'ai évité ça? Ah oui, non mais... Oh, vous faites chier! C'est vrai que j'ai Spectral. Go! Oh, je l'ai avalé! J'ai avalé le trinket. Merveilleux. Enfin, merveilleux, oui et non. Ça se trouve, c'est notre seul trinket de la run. Donc là, c'est un drame. Putain. Seulement je pouvais voler. Bon, si seulement j'avais eu Momski, surtout. Cette carte me fait de l'œil. Et la Two of Diamonds. Joker. Oh putain, Joker. Alors, c'est quoi ça? Let it rip. Oh, c'est marrant. D'accord. Bon, je sais que ça fait ça. Bon, on peut garder The Magician. Pour le boss. Ouais, non, mais j'ai pas le temps pour ça. Surtout, il me reste qu'une seule bombe. C'est surtout ça, en fait, le problème. Encore une fois, une run au ras des pâquerettes. Hein. Comme souvent. The Tower, ok. Bah, c'est peut-être un grid, le problème c'est que je suis dans la merde. Et de toute manière, j'ai pas d'argent. C'était chaud. C'est chiant. Mon dieu. Alors lui. Ah, heureusement j'ai de la speed. Oh mon dieu, oh du dégât. Alors en vrai je pense que Joker c'est la pire des idées. Parce que je n'ai vraiment rien. Putain, écart batterie. J'ai rien. C'est impressionnant. Ah, ça peut pas être là. Est-ce que ça peut être en dessous? Ça peut pas être là. Oh que c'est chiant. Joker. Un petit vaisselle. Bon, en gros, quand j'ai pas de cœur rouge, je vole. Et on va dire que oui. Ah, en plus, j'ai gratté deux cœurs noirs. Non, c'est ok. En plus de ça, j'ai les deux coffres dorés. J'ai 7 cartes, The Sun, ok. Du coup, je peux savoir où est la secret. C'est extrêmement décevant. Pour arnaquer un Devil Deal. Eh ben, on va claquer The Sun et on va garder Strength. Ah oui, d'accord. La secret était donc là. Ouais, du coup, on peut voir ça. Tears down. Ah oui, c'est très décevant. The Moon. Ah bah The Moon, du coup j'ai même pas besoin de claquer de bombe. Let's go. Ah, le Tears down il fait chier là par contre. J'étais bien.
On a le quick charge. En fait, je sais pas ce que je préfère entre quick charge et car batterie. Bon, car batterie, le problème, c'est que là, ça va me consommer mes, toutes mes bombes. C'est sûr. Mais c'est même pas garanti que je l'ai. On va prendre quick charge. Bon, par contre, j'ai plus de clés. C'est bien, j'ai des bombes, mais j'ai plus de clés maintenant. Si seulement j'avais eu Momski. C'est au ras des pâquerettes, mais ça passe. Hein. Flooded Caves. Ah ouais, le tears down qui casse bien les couilles. Hein. Mais c'est misérable. Pourquoi je suis protégé d'un coup comme ça là? Non! Oh non! Oh la larme nulle qui me touche. Elle est bien cette mouche. Bon, j'ai deux trinkets à mettre dans la salle de boss. Attends, mais c'est un petit vaisseau qui fait ça? Non mais voilà. Voilà, je joue comme un con. C'est parti. Oh putain. Bah oui. Bon, j'ai qu'une seule clé, hein, donc on va favoriser, prioriser item room. Lui, il veut de l'argent, j'en ai pas. J'ai failli me la prendre. Hein. Non mais, je suis con, j'ai Spectral Tears. Profites-en, Kiki. J'ai Bouquin de Bélial aussi, surtout. C'est Soy Milk. Parce que autant ce serait le lait d'amande, j'aurais dit ouais pourquoi pas. Même si ça semble stupide. Mais Soy Milk par contre. Bon au moins j'aurais plus de problème de tier rate, mais par contre j'aurais des dégâts de merde. Soy Milk, je suis pas sûr hein. Non. Oh là là. Bah oui, il manque une bombe. Faut tout péter. Suicide du roi. Ça a l'air complètement stupide comme carte. C'est quand même triste de voir à quel point là j'aurais pu être à quoi, à 4 coeurs de protection. J'ai une clé, bon. Bon, on va faire le boss.
Mais là, le Devil Deal, à moins d'une dinguerie, c'est mort. Pourquoi je fais pas ça? Eh, hey, 25 balles, hein. 25 balles, c'est négociable. Moi, je dis, on fait ça. On fait ça. Voilà. Ni vu ni connu. On a 25 balles. Et du coup, je vais claquer ma dernière clé. Mais quel abruti! Bon, ça va. En fait, ok, oui, j'ai plus un petit vaisselle. C'est là mon erreur. J'ai plus un petit vaisselle maintenant, du coup. Ok, donc faut que j'arrête de m'enjailler. Oh, c'est du T-Rate, ça? Pas du tout. Putain de merde. Mais non, j'ai confondu avec l'autre. Il y a deux items qui se ressemblent. Je crois que c'est la blanche qui me donne du tier rate. Bah, je vais garder mes 17 balles. Du coup, je suis extrêmement déçu. Bah, j'ai acheté une bombe, c'est bien, mais... Oh, mais j'ai plus un petit vaisselle. Ah ouais, soy milk, hein. Oh, comment je me suis enjaillé pour rien, là. Les trinkets, salle de boss. Bon, cette carte, je sais pas. Hein. Je sais pas quoi en penser. Hein. Attendez, on va faire ça en plusieurs étapes. Bon, de toute façon, je n'ai besoin que d'une seule red key. Hein. Parce que bon, les arnaques à la red key, on a vu ce que ça faisait, c'est pas ouf. Hein. Ok. Et je vais garder la mouche. Après, je pourrais peut-être essayer de le spammer, lui. Peut-être me donner le fameux HP up tant escompté. On va faire ça. Du coup, je regarde d'avoir claqué 7 balles pour ce système de merde. Oh, j'ai une clé. Super. Mais attends, mais je peux aller dans la curse. Du coup. Ah, par contre, j'ai plus de cœur rouge. Alors, ça, c'est quand même très con. Si seulement j'avais pas fait le con avec les pics juste avant. Bon, je peux quand même aller dans la curse, hein, y a pas de soucis. Hein, mais. Putain, mais vraiment, j'ai que des items rincés du cul. Putain, et avoir un Devil Deal pour finalement avoir juste 25 balles. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Je vais pas me plaindre, hein. Mais évidemment, la seule bombe que j'avais, je l'ai utilisée pour ce mendiant de merde et ce haricot de merde. Alors que j'aurais pu avoir le contenu de ce coffre. Je déteste ma vie. Mais bon, on a de la défense. Cette carte, je sais pas quoi en penser, hein. Nécropolis 1.
J'ai pas de bombe. Ah, du coup, j'aurais dû attendre pour le bon art. Oh la salle de merde. Oh la salle de merde. Oh la petite salle de merde. Fallait que j'en prenne au moins un. Putain, hein. Putain, je fais des trucs aujourd'hui que... Voilà. Avant, ça me serait jamais arrivé. Enfin, je sais pas, c'est peut-être la fatigue générale. Pas qu'il me touche, pas qu'il me touche, pas qu'il me touche, pas qu'il me touche. J'ai enfin de l'argent, donc s'il vous plaît. Oh là là, j'ai perdu tous mes cœurs de protection pour cette merde. Ah, ça m'a saoulé. Bon, au moins j'ai des bombes et des clés. Oh, bibliothèque. Oh, c'est bon, ça. Oh, oui. Donc, déjà, cœur bleu. Et donc, potentiellement, que je vais avoir... je vais être confronté à... Que je vais être confronté à... Ah, ils vont me proposer Meat Boy. Parce que je crois que ça c'est... En fait, quand on l'utilise... Genre, le boss qui suit après, c'est un cavalier de l'apocalypse. Et là, Bible satanique. Et donc, ça serait... Ouais, Bookworm, déjà. Et donc là, ça serait... Un item Devil Deal. Et on va prendre le risque. Et on va peut-être même essayer de charger. Putain, putain, si j'avais su, j'aurais pas fait la challenge. C'est risqué quand même parce que j'avais qu'un cœur rouge, mais bon. Ça peut aboutir. Non mais déjà, on a beaucoup d'orme. En vrai, Bouquin de Bélial aurait été plus intéressant. Parce que ça me booste un petit peu les chances de Devil Deal aussi. C'est pas grand chose, mais voilà. Health up. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle, ça. Ok, donc on sait qu'il y a une elf up. C'est pas mal.
J'ai pas beaucoup de bombes. Je préfère chercher la secret. Ah oui, on n'a pas eu secret, on n'a pas eu item room. Ah oui. Alors ça peut pas être au-dessus, mais ça peut être à gauche. Ah, cela dit, ça peut être en bas. Ah non, ça peut pas être là. Bon, c'est sûrement là, hein. Ouais. Ah non. Ah, ou coller à la curse au-dessus. Putain. Voilà, allez, c'est réglé. Putain, tout ce setup pour de la merde, hein. Allez, ça m'a saoulé. La mouche m'a sauvé là. Ah, mais il manque juste du tir rate, hein. C'est quand même dramatique. Mister Me. Ah ouais, mais Mister Me en fait. Tous les jours. Parce que je pars à quel game avec Mister Me. Alors le problème, c'est que j'aimerais bien avoir mes secrets. Ah, peut-être sous la challenge. Ou là. Mais le problème, c'est... Ouais. Alors, le problème... C'est que là, si je claque ma dernière bombe... Enfin, là, j'ai deux bombes. Mais si je claque une bombe et que c'est pas là, ou qu'il y a rien dans la secret, j'ai pas l'air d'un con. Il y a quand même de fortes chances que ça soit là. Putain. C'est des dégâts. Il va me manquer une bombe. Il va me manquer une bombe. Sinon, au pire, YOLO et Curse. Hein. Dans la Curse, on peut trouver des bombes. Il manque une bombe, les gens. Parce qu'en gros... Et ouais, en plus, un petit vaisselle, c'est mort. Un petit vaisselle, c'est mort. À moins que dans la curse, il y ait un mendiant de sang. Tant pis, on fait la curse. Ça me plaît pas l'idée, mais pas trop le choix. Oh, bah. Eh, je suis quand même content. Je suis quand même content. Eh, mais Mister Me. Mister Me, il peut me le prendre, le champi. Putain, je suis en galère de bombe, vraiment. Parce qu'en fait, soit je claque, je mets une bombe pour taper la machine, mais ça se trouve, ça va être un fiasco, il va me manquer une pièce. C'est possible, hein. C'est là que je regrette les pièces que j'ai mises dans la machine tout à l'heure. Ou alors...
Bah ou alors parce qu'il y a le champi aussi qui me donne des dégâts mais qui va me ralentir il me semble. Mais il me faudrait une autre bombe pour bomber les deux idiots. Parce que ça se trouve il me donne respectivement 5 et 5. S'il me donne 5 et 5 c'est win. Ah oui, ça me donne un HP up aussi. Il manque de pièces. Il manque de pièces. Mister Me ! Mister Me ! Après, il manque de pièces, mais ça peut s'arnaquer à la sacrifice. Non, mais de toute façon, YOLO, j'ai eu des HP up, on verra après. Allez, par contre, je suis repassé à 1,05 de dégâts. C'est un scandale. Ah, mais Mister Me... À moins que lui... Attends, on est d'accord, on a eu Zemrom, oui. Non, mais lui, je sens qu'il va m'arnaquer la gueule. Bah dans tous les cas là si je vais faire le boss. Vas-y bah je vais prendre Mister Me. Et on va croiser les doigts. Parce que si admettons on me donne un item ah, par contre le drame serait que ça me donne Dead Cat. Si ça me donne Dead Cat c'est un drame. On aurait item martyr. Il y aura un truc à faire avec la sacrifice. En fait faut voir l'item que ça me donne. Parce que ça se trouve. Mais non mais je suis même pas obligé en plus de. Ah mais ouais. Si j'ai le vrai Devil Deal qui pop, je suis obligé d'avoir Mister Me. Ouais d'accord. Ah oui donc là ce sera forcément un Meat Boy. C'est ça? Ah ouais, donc c'est forcément un Meat Boy, mais par contre, il m'encule un cœur. Et j'ai eu le vrai Devil Deal. Krampus. Je le savais. Oh la flamme de merde. Bon l'up of call allez. Vas-y on n'a pas eu Krampusade au moins c'est déjà ça. Bon bah du coup Mister Me ça a été un scandale. J'aurais dû m'abstenir. Oh le bandage vraiment. Alors Mister Me il va pas me servir pour le coffre qui est isolé. Bah vas-y prends le hein. Voilà. Au moins j'ai rien perdu. Donc en fait j'ai eu le... La petite boule de bandage à 15 balles, c'est ça? La question c'est avec quoi je pars? Est-ce que je pars avec la Bible satanique? Ou est-ce que je pars avec le bouquin de Bélial? Parce qu'il me reste quoi à faire? Bon là je vais avoir Mom's Foot. Ensuite j'ai des chances de Devil Deal mais ça me semble compliqué. Hein. On a Quick Charge et bouquin de Bélial pour The Beast ça peut snowball. Mais en même temps, avoir... ouais, vas-y, tu sais quoi, on va prendre la Bible satanique parce que j'ai beaucoup de cœur rouge. Et à la base, on a quand même un petit vaisselle.
Bon, par contre, la boule de bandage à 15 balles... J'aurais peut-être dû m'abstenir. Surtout en sachant que... j'allais forcément avoir un cavalier de l'apocalypse. Ah, par contre, j'ai pas de bombe. Et si j'ai pas de bombe, j'aurai pas de The Fool. Qui est là, d'ailleurs. Hein. Ah ouais. Ouais. Non, on est bien là. J'ai une bombe. Bon, on aurait pu attendre. Il y avait peut-être un coffre à péter, mais c'est pas grave. Putain. Bah, il y avait peut-être mieux à faire de cette bombe pour commencer l'étage. Bon, si on n'a pas le Devil Deal et qu'on arrive à se mettre full en cœur, peut-être qu'on va exploiter cette sacrifice. J'ai bien dit peut-être. Ok. Je regrette. Ah, mais c'était sûr! Non, 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 voilà. C'était sûr qu'ils allaient me toucher, ces cons. On a quand même ce foot à faire. Bon, Mom's Food, normalement, c'est une formalité, mais le problème, c'est que j'ai qu'un 5 de speed. Bon, Momski, MDR, on sait que c'est râpé. 7 balles pour le shop. En vrai, c'est pas... impossible, hein. Mais bon, perdre la moitié de mes clés pour un mendiant de clés... comment vous dire que ça me dégoûte un peu. Ah mais ouais, mais voilà, 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 voilà. Je sens que je vais être dégoûté si je rentre dans le shop. Ça va en fait. Ouais. On s'est remboursé. Je l'ai pris, je voulais pas. J'ai plus qu'une clé. J'ai pas mis l'arme. Ah.
j'ai qu'une clé. Attends, c'est moi ou le spectral annule cet item ? Mais what the fuck ? Ah non, c'est juste, c'est AP. Ok, j'ai l'argent qui vient à moi. C'est bien ça. Bon, deux bombes, plus de clés. Bon, on va faire Mom's Foot. Hein. Et puis voilà. Alors par contre, en faisant Mom plus potentiellement Curse derrière, on peut se faire Bip Satanique à fond. Et rebip satanique avec la batterie. Ah oui, d'accord. C'est l'escroquerie la plus totale. D'accord. Ah, c'est la rouge. Elle est chiante, la rouge. Mais ça vient vraiment d'arriver, ça? Bon, ben on se mettra pas full, hein, sachez-le. Ah non, mais attends, non. C'est Polaroid qui va me... Oui, non, mais putain, plus, non, mais... Et le cœur blanc qui s'est mis sur... Le cœur blanc qui s'est mis sur... Le bon heart. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le bon heart, je peux... Non. Genre, il va manquer une charge. Vraiment, vous êtes sérieux, les gars? Est-ce que j'ai envie de faire la curse, du coup? La sacrifice. Pas vraiment. Bon, on sait que du coup, après, je vais avoir masse... Bah, je vais avoir quand même pas mal de chance d'avoir mon Devil Deal. Putain, par contre, j'ai pas de clé. Bon, tant pis pour le cœur noir. Ouais, c'est dommage pour l'arnaque en fait de la sacrifice, hein, parce qu'on pourrait on aurait clairement pu arnaquer un Devil Deal bis qui n'aurait pas compté, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai tout intérêt à vite trouver le boss. Oh oui, bah merci les clés.
Ah oui, et là, il n'y a pas une embrouille de... C'est ça. J'ai vraiment claqué une clé pour ça. Bah c'est bien hein. C'est même limite mieux je pense mais aïe 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 aïe. Putain de flamme de merde. Allez, c'est réglé. Non mais vraiment, je me suis fait bolosser par ces flammes là. Non mais voilà, voilà, je me suis en train de faire victime parce que j'ai 1,05 de speed. Putain! Ce qui semblait être une... un bon setup va finir en gros drame encore une fois. Hein. Oh là là. C'est pas tiré par moi ça? Ça, ça tiré par moi. Ça, c'est bien. Envie de canner. Et je vais dedans hein. Il va dedans. En fait il est stun. Il s'en remet pas. Merci. Merci. Par contre, faut vraiment que j'ouvre les yeux là, hein. Ça devient terrible. Attends, quoi? Ah, il peut faire ça lui? Ah, l'aide. Jamais se mettre devant lui. Mais non, mais qu'est-ce que je fais? Je le regarde. Quoi? C'est quoi qui m'a touché? Non mais c'est quoi qui m'a touché? Range up. Ah non mais j'ai plus aucune chance de Devil Deal. Ouais donc en fait on aurait dû faire la sacrifice avant quoi. Oh putain. Je n'ai plus aucune chance de Devil Deal. C'est merveilleux. Il faut que je... vraiment, faut que je retienne que Mausolée, Devil Deal, c'est mort. À chaque fois, je me fais bait comme ça. Mais eux ils sont complètement possédés là.
J'ai plus de chance de Devil Deal. Ça me trompe le cul en fait là. Ah mais eux ils sont insupportables aussi là. Technologie Quand je vous dis que je suis unlucky as fuck, non mais vraiment. Bon après je cherche un peu aussi hein, mais non mais la mouche hein. Je suis sûr que depuis tout à l'heure, si j'avais pris la mouche, j'aurais moins pris cher. Ah, mais je me retrouve avec masque cœur rouge là. C'est insupportable. Il y avait quoi dans le shop déjà? La merde. Ah non, mais c'est ça mon build? C'est donc ça mon build? Spent it. It's gone. Just get over it. What do you mean? What do you mean it's gone? J'ai tellement pas d'items. How can you have spent our savings? J'ai tellement pas de speed. C'est donc ça mon build? Oh oui. Ah oh oui, mettez-la moi bien fort là. Idée de merde. Ah ouais, c'est ça mon build en fait là. Eh ben heureusement que j'ai eu un peu de tiers up hein. C'est donc ça mon build. ...1,05 de speed. Oh ça va être ça va être quelque chose face à Dogma. Je vais crever. C'est sûr. C'est sûr, je vais crever. Me demandez pas, hein, j'en sais rien. Ah ouais, non mais le build bien pourri là. Le build bien pourri du cul là. On peut le faire hein. Ouh là là. Ah oui, il est 1,05 de speed là. Ah non mais Dogma ça va être terrible hein. Après, je suis pas une savonnette. Donc, il y a peut-être moyen que je contrôle un peu plus ce que je fais.
Allez, vas-y, super, ça m'a saoulé. Merci à toi. Bah, déjà, oui, voilà, je parle de Dogma parce que je vais même pas envisager les autres. Bon, si on y arrive, voilà. Hein. Et j'ai que un luck. Donc forcément... Bon, heureusement j'ai... Non. Heureusement j'ai Bookworm quand même. Je pense que ça va être ça qui va sauver un peu... Pas qu'il touche. Ouais. Enfin, je dis heureusement, j'ai Bookworm. Ouais, j'ai 8 de dégâts, Bookworm, multidimensional. Avec une petite arnaque, ça peut passer. Non, mais en vrai, il y a un truc à faire. Hein. Et là, une carte Joker. Mais je pense pas que ça soit possible. The Moon, c'est possible? C'est pas possible. Judgment. Oh! Je pensais que ça allait être le mendiant de sang de mes couilles. Eh, on sait jamais, hein? Non, mais j'ai pas de speed. Hein. Eh, je sais pas si c'est possible, un Joker. En vrai, je pense pas. C'est quoi, hein? Attends, j'ai eu des cœurs noirs? Alors, j'ai eu un peu de speed. Et mes pieds sont plus forts. Mais comment ça se fait que j'ai eu cet item, en fait? C'était pas item room? Genre j'ai eu un item gratos comme ça. The True Ending. Eh, je suis tellement trigger par cette carte. On va regarder ce que ça fait. Je suis trop trigger. C'est une carte spéciale. Tue Isaac et fait spawn 10 consommables et items. Quoi? Ah oui, en fait, on se bute nous-mêmes. Spawn collective come from the item pool related to the room where she... Isaac's Heart et Holy Mantle ne le protègent pas de la mort. Ok, donc en fait c'est une carte qui s'utilise, ouais, donc c'est bien ce que je me disais, c'est une carte, quand tu l'utilises, tu te butes. Mais par contre, tu drops des items, donc si t'as une revive, ça peut potentiellement être petit. Ouais, mais faut le savoir. Un peu de speed. Eh oui. Ouh. Parce que oui, effectivement, on a eu PhD entre temps.
Vas-y, hein. Ouais, se mettre full cœur noir, c'est pas déconnant. Le fameux le fameux soy milk. Ah, c'est bon à savoir que ça existe, cette carte. Et apparemment, ça fait pop des consommables et des items, donc c'est fort. Hein. Et là, Magic Mushroom. J'ai fait le dingue, là, un peu. Hein. Bah voilà, finalement, j'ai de la speed. Mais alors qu'en fait, on peut trouver une échelle de corde. Ça aurait été beau. Et là, il s'en va sans la crack key. Le drame. Bon, en vrai, il y a un peu d'espoir, mais... J'ai quand même une méta très maigre. Hein. C'est faisable. Hein. Ce serait une bonne chose. Sound. Pray with me. Pray for your salvation. Come, pray with us. C'est discutable. L'intérêt de cette ampoule est discutable en fait. Je peux mieux prendre le chou. Ah, ça y est, le sound design est parti en vacances. Bon voilà, comme ça on est full noir. Voilà, merveilleux. J'ai pris un cœur entier dans la gueule. En vrai, l'ampoule, c'est un stat-up quand la Bible sera à fond. Mais en même temps, la mouche qui ralentit. Eh ben, tu le mérites bien. Ce stat-up, c'est tentant, hein. Mais ça veut dire que j'utilise plus ma Bible. Je n'utilise plus ma Bible. On est où, là? Je vais le tenter. Je sens que c'est risqué, mais je vais le tenter quand même. Ouais, ça peut nous régaler. Ah oui, ah oui, ah oui. J'ai trop le dingue, hein. Je vais sûrement regretter.
faudrait que je joue vraiment bien là. Ça, je sais qu'à à The Beast ou au moins Dogma, j'ai un power up. Le Dogma va, Dogma je sens va me faire chier. Allez. Oh, le sac à PV. Merci. Oh là là. Écoute, s'il fait rien, ça me va. Attends, on peut pas trouver comme hier là une salle spéciale avec les... Avec les Red Key là. La Red Key hier elle nous a régalé. Je sais pas si c'était une, la run qu'on avait record pour faire Mother, il me semble. Hein. Que j'ai débloqué. Bon. Que j'ai débloqué masse truc là d'un coup. J'ai une item room gratos, j'ai une secret. Enfin, c'était débile. Hein. C'était vraiment débilus cette run. Hein. Le sound design, please. Please don't leave us. Sorry, Isaac. Voilà, juste de grâce, fallait pas que je me fasse toucher par cette flamme nulle. Allez, bourrez rapidement. On s'est quand même sacrément fait guaquer. Hein. Là, les Devil Deeds, je l'ai en travers. Hein. Oh. Yera. On peut Yera les Red Key? Alors peut-être. C'était très décevant. Oh, je voulais essayer. Je voulais essayer. On peut Yera les Red Key. C'est une bonne nouvelle. Oh, attendez, là, peut-être la carte Joker là. Je suis sûr que c'est impossible. Ah, j'ai plus de sous. Fumier. Ah bah quand même. Une petite luck up. Je me suis dit, peut-être le Small Rock. Red. Bon, on va pas claquer la Bible. Oh là là. Est-ce qu'on est proche du but? Petit boss gratuit là. Qu'est-ce qu'on en pense? Pour une pièce. Allez, on se casse.
Ah, c'est bien décevant, ça. Je sais pas ce que ça fait si on prend pas l'item de cette pièce. Allez, le perso est débloqué. Vraiment ? Vraiment ? Jusqu'au bout, vous allez rien me donner ? Bon, Dogma. Dogma, je le sens pas. Oui, bah, fonce dedans, voilà, nickel. Premier tir, je fonce dedans. Putain, comment il essaye de m'arnaquer la gueule celui-là? Allez, tire ta lame spéciale là! Allez, c'est le moment de crever là. Mais genre vraiment. Merci. Ça va. Alors peut-être. Allez, faut que je sois focus. Faut que ça soit réglé cette histoire. Pouette. Cap très stylé. Let's go. Allez, un peu de concentration. Ça devrait aller. Pour l'instant, je claque pas la Bible, hein. C'est chiant. Oh. Ah oui, d'accord. En fait, quand la première touche, c'est gratos parce que t'as un bouclier divin là. Et je suis sûr que si tu le gardes, t'as un succès. Sauf que je me suis fait toucher comme un idiot. Du coup, c'est parti pour les embrouilles. Putain. What the fuck? Qu'est-ce qu'il m'a touché? C'est relou! Ah voilà, allez, hop, c'est loose. Ah mais d'accord, mais parce que je vois pas ce qui m'arrive sur la gueule. Oh là 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 là.
fonce dedans. Je fonce dedans. Et bah c'est loose. Non mais j'ai encore joué comme un gros kekos. En même temps voilà, pas d'item, je manquais clairement de dégâts. En vrai c'était faisable hein, mais flemme hein. Beaucoup trop de tryhard là hein. Mais ça suffit. Depuis quand tu fais ça? J'ai pas le droit à l'erreur. Ah, je suis mort. Il fait pop son truc sur ma gueule. Oh mais non! Encore! Putain, pourtant c'est facile! Oh la déprime! La déprime! Bon, moi on a débloqué le perso. C'est ce qu'il faut se dire. Oh là là! Putain, c'était pas donné, mais c'était faisable. C'était large faisable. C'est juste que, en fait, vu que je manquais de dégâts, ça prenait 1000 ans. Donc The Beast, c'est pareil, ça aurait pris 1000 ans. Oh! Bon, ben voilà. Au moins, on a débloqué le perso. Ça n'aura pas été en vain. Mais jusqu'au bout, j'aurais rien eu. Jusqu'au bout, le jeu m'aura rien donné. Je crois qu'un des seuls Devil Deal que j'ai eu, c'est là où j'ai pris les 25 balles, c'est pas ça? Bref. Bisous YouTube.